Bonjour YouTube, bienvenue, nous sommes le 2 juin, il fait chaud, ça y est, c'est l'enfer. J'étais très angoissé hier et tout à l'heure parce que j'avais une OPSP et puis le jeu était capricieux. Ça commence à aller mieux, donc j'ai décidé, pour désangoisser, d'aller sur Isaac. Voilà, parce que tu connais Isaac, c'est pas du tout énervant, ça c'est bien. Par contre, la dernière fois, on avait fait NT d'Isaac parce que c'était les infos là, tu vois les infos. On avait fait NT d'Isaac, on a réussi à faire Boss Rush Hush. Il est où? Il est là. Malheureusement, je suis mort sur Delirium parce que Delirium, voilà. Et puis j'étais fatigué, j'ai fait beaucoup d'erreurs quand même, hein, faut pas se mentir, mais voilà. Diablo 4, c'était bancal. Bah, c'est pas que c'est bancal. Le jeu en lui-même est bien, mais je trouve l'optimisation PC très curieuse. La carte graphique monte dans les tours très facilement. Le jeu ne rame pas particulièrement, mais la carte graphique, tu sens qu'elle bosse trop pour ce qui se passe. Et c'est bizarre. Et en fait, le fait d'être en stream, bah, tu te doutes bien que ça décuple la demande du PC et ça faisait un peu de la merde. Donc un peu curieux en fait. Après, le jeu est bien. Le jeu, il a l'air ultra complet, hein. Putain, il y avait des trucs de partout. J'ai même pas eu le temps de tout comprendre, hein. Après, c'est Diablo, quand on aime bien Diablo, voilà. Alors, du coup, on doit continuer Tenti d'Isaac. Objectif Delirium. Donc, soit on retourne à Hush pour être sûr que le Delirium s'ouvre, soit on croise les doigts, hein. Je pense qu'on va retourner à Hush. Ouais, on va tout faire pour aller à Hush, quoi. Et au pire, si on met trop de temps, Et bah voilà. Vous avez compris ce que je veux dire? Attendez, on va commencer avec une bonne salle, s'il vous plaît. J'aime bien me mettre dans la merde dès le début. Une grosse moto est passée par là. Une très très grosse moto, un gros pot. Hein. Ok. Oh là là, mais regardez-moi ça! Non mais c'est pas possible quoi. Ah voilà! Là on discute déjà. J'ai failli prendre le mauvais objet. L'hostie. On va prendre l'hostie et on va faire du sacrifice. Quoi qu'il n'y a peut-être pas de sacrifice room à cet étage. Mais l'hostie permet de prendre tout le temps des demi-dégâts. Et pas des dégâts entiers. Bon, probable qu'on le jette au bout d'un moment. Le billet, oui. Débit diminué. Chance diminuée. C'est pas vrai. Allez, allez, on y va, hein. On y va. On y va. Ah, j'y vais. Voilà. Est-ce que ça vous fait... Quoi? Est-ce que ça va nous faire aller vite pour Hush Delirium? L'hostie? Je suis pas sûr. Vous en faites pas. On cherche un truc, là. Ça va pas tarder. Hop là. Vous voyez? Hop là. Moi, j'ai l'habitude de ça, hein. Fléau de cécité, allez. Zim, 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 zim. Moi, je joue mal. Oui. Quand j'avais 4-5 ans, j'avais mangé un bol d'hostie en pensant que c'était des chips. Oh, ça a dû être si décevant. Et ça a dû coller. Ça colle l'hostie. C'est super sec, du coup ça absorbe toute la salive là et puis ça te colle à la joue.
Salut Lapinou the King. Des hosties, tu sais le... Mais si, les hosties, c'est alors le truc à l'église, c'est censé représenter j'allais dire, le pain du Christ. Enfin bref, voilà, et si vous voyez pas ça, l'espèce de truc cartonné sur les gâteaux d'anniversaire qui a pas de goût. Le truc où il y a écrit joyeux anniversaire et ça n'a aucun goût. C'est on dirait du carton, mais en fait ça se mange. Bah c'est pareil. Alors ça c'est intéressant. Plutôt la clé de maman ou l'embarras du choix. J'aime bien les deux. Même l'hostie est meilleur que ce truc. La peau du Christ. Non, c'est le corps du Christ. La peau du Christ. Ça en fait un bout de temps, 27 mois. Merci Nakayas, merci beaucoup. La peau du Christ, ça me fait rire. Mangez. Ceci est ma peau morte. C'est presque pareil. Oui, celle-là. Ça me fait rire. Une bonne peau, là. Hein. Il reste de la peau? Vous mangez le corps du Christ avec ou sans la peau, vous? En vrai, une bonne peau de Christ, là, frit, en fait. Frit et ensuite, je dirais sucré. Sucré ou salé, en fait. Tu peux te faire une chips de peau de Christ. Franchement. La sainte chips. Vous me dégoûtez. La prochaine fois que vous mangez des chips, là, vous y penserez. Une petite croustillance. La croustillance de la chips. Holy chips. Putain, je vais pas avoir deux pièces pour acheter... pour acheter un truc, là. C'est la vraie vie, là, ça y est. Est-ce que ce monde est sérieux? On a le choix, on a ça. Et non. Ou alors la super secrète. Ou alors le pot. À votre avis, la super secrète ou ce pot-là? Le pot. C'est parti. C'est perdu. Ah, c'est long. C'était trop long. Ok.
C'était la carte chariot. Elle est bien. Bon, nous avons un cœur de protection, ce qui veut dire qu'on va réussir à faire des Angel Room. C'est sûr. C'est sûr, Sacré Dart, c'est aujourd'hui en fait. Oh putain, je le déteste. Ah, c'est quoi qui permet d'avoir des réduits à Carouf? Une pilule. Débit augmenté. Ah ben voilà. Mais voilà, c'est ça qu'on veut. Augmente-moi le débit là. Ah, la carte chariot. Ah. J'ai compris. Dans mon Carouf, maintenant, les chariots, t'as plus besoin de mettre de pièces dedans, ils sont là. Et il y a écrit « Chariot élevé en liberté ». Voilà, j'ai trouvé cette phrase très... waouh. J'ai pas de bombe, pourquoi j'essaie d'exploser les trucs? Il y a un troupeau de chariots, tu vois. Ils vivent en plein air. Ça fait réfléchir. Hein? Plutôt que vos chariots, là, élevés dans des hangars, entassés. Ils voient jamais la lumière du jour. Nul. Ah, j'aime bien ça. Le corps de Cricket, et non pas le corps du Christ, hein. Voilà, ça gicle. Ça gicle, on aime bien quand ça gicle. À mon Carouf, il n'y a plus de chariots, ils ont été volés. Mais qui vole des chariots? J'ai acheté une bombe. Enfin, je crois qu'il y en avait. Il n'y en avait pas. Oh, mais ta bombe. Mais c'est pas vrai, mais quel jeu de merde. Putain, ça me rend dingue. Excellent. Quel jeu d'enfoiré. Pour faire des courses de chariots comme Mario Kart. Ah oui, techniquement c'est du vol, c'est du vol. Ça t'appartient pas. Non, non. Il rend fou ce jeu, il rend fou! Vas-y, je vais dans la salle, je m'en fous là. C'est bon. Oh, des bombes! Oh my god! Bonne idée! Bonne idée! Avoir un chariot, c'est rigolo. Bah, dans les rues du carrefour,
Les allées là, c'est vrai que j'aime bien faire une petite petite glissade, c'est vrai. Le dérapage contrôlé. Hello brioche party, c'est le. Salut Brahim. Brioche party. C'est vrai, c'est le week-end là. Oui. Mardi est déjà bien passé, alors je dirais oui. Je sais pas, on est vendredi là? Ok, vendredi, très bien, très bien. Original. Vendredi 2 juin 2023, il est 17h18. Merci beaucoup. Si vous pouvez ne pas le faire, cela éviterait un carambolage entre le chariot et un fauteuil roulant. Merci d'avance. Bah, ça va pas, Lily. Oui, c'est arrivé. Alors, je peux glisser sur mon chariot dans les rues du carrefour, mais quand il y a personne, c'est sûr. Et puis je suis pas à 20 km/h là, je fais juste. Voilà. Glisser sur le chariot, les abîmes. Et après, il ne roule plus bien. Non, mais ça suffit, si vous m'enlevez tous les plaisirs de la vie, autant en finir maintenant. Hein? C'est ça que vous voulez? C'est trop grave. Moi, je pense qu'on peut dire les termes là, on est entre nous. Je vais me remettre en question. Oh non! Moi, je vous ai dit que j'étais tendu. Hein. Oh, c'est si nul. Alors j'ai pris le giga prout. Je me suis dit que ça permettrait de décompresser. De se sentir mieux à l'intérieur. Et ne plus faire caca mou. Bon, le broken modem, on aime bien, mais bon. Saleté, je déteste. Cassez-vous. Allez, 36% d'Angel Room.
C'est parti. Nick. Allez! Ok, ok, ok. On est en début de run, on prend l'échelle. Bah, je dis on va hush puis daily, mais en fait, je suis en train de réfléchir justement. Rappelez-vous la dernière fois quand on n'a pas réussi à faire je sais plus quoi. En fait, on s'est dit que plus loin, il y avait The Lamb Mega Satan. Donc, j'ai l'impression que déjà je suis lent et je vais pas avoir le timer. Mais on pourrait espérer que ça s'ouvre sur The Lamb ou Mega Satan, non? C'est pas déconnant d'espérer ça. Vous savez, moi je déconne jamais. Hein. Le pauvre pigeon. C'était pas un pigeon. C'était un ange déchu. Ange d'Écosse. Parce qu'on est, on est déjà à 15 minutes. Je suis extrêmement lent là. Je suis pas du tout. C'est chez vous la souris, non? Je suis pas du tout en mode boss rush hush là, clairement. On va faire The Lamb. The Lamb et Mega Satan. Bon, on va essayer. Hein. Du coup, il me faut un maximum d'argent. Un maximum d'argent. Parce qu'en arrivant dans un étage, on aura l'échelle pour le magasin de l'ange. Ça a des ailes, c'est un pigeon. C'est un peu réducteur, non? Je pense que, bon... Il n'y a pas de sous. Alors, j'ai pas de sous, j'ai pas de bombe. Je ne vais pas aller dans le shop, parce que j'ai pas envie de ne pas voir. Voilà. J'ai pas envie de ne pas voir, ok? Vous voulez pas voir un cœur sacré à 30 balles. Voilà, merci de finir mes phrases. C'est gentil. Je sens qu'on se comprend. Vraiment les meilleurs items. Hein. Trois clés. Je vais quand même aller dans le shop pour espérer avoir grid et avoir des sous. Oui! Il nous faudrait les soldes Steam. Ref laser.
Le fameux pigeon A380. Hein. Salut Xiv. On a un sacré débit, hein. Comment ça se fait qu'on dépasse le plafond de 5 de débit? On cherche à faire quoi? On cherche à faire fur, je pense. Alors, à la base, on devait faire Delirium. Sauf que je suis lent. Du coup, on va peut-être faire The Lamb, Mega Satan, et espérer que Delirium s'ouvre. Si Delirium s'ouvre, on cancelle tout, on va faire Delirium. Je désub. Mais t'es même pas sub, Ace. Arrête donc. Bah si, non, non. Bon, ok, t'es sub, je voulais faire une blague. Je voulais juste faire une blague. Ok. Quoi coup, allez... Coubé, allez cramter, apagnant les bains. Apagnant les bains. Coucou bébou. Ça marche pas. C'est quoi les crampetés? Bah tu sais, c'est... Ouais. Aïe! Non, il marchait dans le picot! C'est compliqué à expliquer parce que le principe c'est que c'est de la merde qui veut rien dire. En fait. C'est littéralement de la merde qui veut rien dire. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Oui, pour résumer, c'est à peu près ça. J'ai pas beaucoup de sous, hein, quand même. Ah, par contre, je peux aller en curse. J'aimerais bien avoir 30 pièces. Je vais lurk en tondant la pelouse dans pas longtemps. Mais mon soutien et ma bonne humeur restent avec vous, c'est gentil. Tu tonds la pelouse, là, sous cette chaleur. Étouffante. Oh non, on mange des pilules qui font grandir. Oh non. Ok. Bombs are key. Speed up. Cet affreux cauchemar recommence. Non mais c'est bon, j'en ai mangé qu'une, j'en mangerai pas deux. C'est mort.
Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte démoniaque? Ça sert à rien, non? Des sous. Pas mal. Nous avons 30 pièces. Un cœur de plus. J'ai 3 bombes, donc je pourrais entrer là-dedans. Non, non, mais non. On va garder ces bombes. Ah, je suis vraiment un teubé. Sondage. Tout de suite un sondage. Hop là, le beau sondage. Non mais attendez, 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 attendez. Attendez, regardez bien, car là... Et hop là! Waouh! Ça fait beaucoup, non? Qu'est-ce que... J'hésite, le cœur immaculé, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Ça donne 2 cœurs d'âme. Et ça permet de voler. Je pense qu'on va prendre ça. Hein. Je vais virer Sister machin là. Ok, ne plus utiliser mon item parce que j'ai un trinket qui augmente mes stats quand mon item est chargé. Ouais, c'est ça, le Holy Mantle, en étant avec lui, c'est un peu chiant, ça prend une place, quoi. On est mieux comme ça, je pense. Faut juste qu'on fasse des sous. Et que Sacré Dart tombe. Hein. Là, on a vu 4 items. Sacré Dart va tomber. Hein. Et c'est juste une question de patience. Bravo. Sacré Dart, ça augmente énormément les dégâts et les tirs sont auto-guidés. C'est super bien.
Par contre, il va coûter 30, le sacré dart. Je vais me faire arnaquer, ça. Ok. Bravo! Début augmenté. Bon, je suis déjà bien au-dessus du plafond. Vous m'avez répondu pour ce qui augmentait le plafond, parce que d'habitude c'est 5. Je sais pas si vous avez répondu et que j'ai pas lu parce que voilà. Tiens, quelqu'un commence sa découverte sur Outer Wilds. Tiens. Oui, il est possible que Skyplay 14 joue à Outer Wilds, c'est possible. Alors, est-ce que nous allons faire un raid chez lui quand on aura terminé nos runs? Alors ça, on peut pas savoir. Hein. Qui peut savoir? Qui? J'ai supposé le corps de Cricket. Bah, je pense aussi, je vois pas trop pourquoi... Il aura peut-être arrêté avant. Je sais pas. C'est rude le début, hein, quand on comprend rien, là. Bah, si vous avez la foi de regarder sur le wiki, n'hésitez pas. Mais bon, si ça vous fait chier, pas de problème. N'est que 15 pièces. Réceptacle de cœur. Quand même. Vous voyez, il y avait une picouse avant là avec je sais plus si c'était sur le boss, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vu que je les repose, elles comptent pas. Bah, j'ai très envie de prendre Brimstone plus les Twins, ouais. Ouais. C'est bien le corps de Cricket qui donne plus 0,5 à cadence max, d'accord. Du coup, peut-être que... Ah bah non, parce que là, on a perdu en... Je sais pas. Non, il faudrait que j'ai les 3 sur moi pour la transformation. Je sais pas si je peux lâcher un... Un truc de... Vous avez compris, voilà, il va m'aller.
Tout de suite, Sacred Heart que je ne pourrais pas acheter. Les trucs sacrés, c'est bien aussi, hein. Salut Doudou, mais putain. PTDR. On enlève l'œil de verre. Bah justement, l'œil de verre, il me donne de la luck. En vrai, je sais pas si je l'achète. Parce que maintenant que j'ai le brimstone, c'est pas comme si... J'en sais rien, en fait. L'échelle, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce qu'on peut avoir masse d'argent qui va arriver. Faut qu'on le garde. Putain, Laiki, on comprend pas ce que tu dis, donc ce que je te propose... Bah, ciao. Birthright au shop. Bon, c'est pas mal, mais il faut charger, quoi. Birthright au shop. Après, Birthright, j'ai pas les sous, hein. Il pourrait bien être au shop. Bravo, le rocher qui pique. Ouais, mais révélation me permet de voler quand même. Alors, il est long à charger, mais... Genre là, ces coffres là. Bah, je les ramasse pas. Ah oui! beau birthright en tout cas. Sac à dos. Et à quoi dans ton sac à dos? Mais genre, il reste là en plus. Stupide. Refan. De retour sur ton jeu préféré. Brioche touille, brioche touille, brioche touille, brioche touille. Merci Lali. Merci beaucoup. Double tir. Ça vous dit du double tir alors qu'on a déjà les jumeaux? Juste, faut qu'on teste. Non. Pas de coupure box, non. L'œil de verre, t'y tiens pas, toi.
Après, des dégâts et de la chance. Ah ouais, là, mais regarde, ça part dans tous les sens, là. Là, je sais pas enlever le corps du chien, parce que regarde, ça fait plein de petites larmes. Je sais pas. C'est chiant, j'ai envie de tout prendre. La manette. La faute à la manette. J'ai espoir que Holy Light se réveille. Je vis d'espoir. Pour les sous. Je sais pas combien j'ai de PV. Pas beaucoup, hein. Yee, bientôt les 2 ans. Merci, Flays. Merci beaucoup. Fuck. Super. Super. Isaac. On a dit on va en bas. Fléau de cécité. Bon, déjà il n'y a pas machin chose. Merci Flays qui a offert un sub à Jiminix. Merci beaucoup. Du long palus. Twitch, il me dit un abonnement et c'est le train de la hype. Moi, je vais répondre à ta question par une autre question, long palus. Est-ce que c'est si important que ça? Je vous vois essayer de faire démarrer le train là. Je vois qu'il y a des trucs qui disent le train de la hype approche. C'est un Macaron qui va faire un sub à Surama. Bah, le train de la hype, c'est. C'est quand les gens s'abonnent. Voilà.
C'est quand les gens s'abonnent, font des subgifts, c'est genre « Waouh, trop bien, effervescence, wouhou, balancez la money !» Mais c'est rien en fait. C'est rien du tout. Ne donnez pas d'argent pour déclencher le train de la hype, ça vous servira à rien. Gardez vos sous. Avoir une émote en général... Oui, oui, c'est vrai qu'à la fin du train de la hype, vous gagnez une émote qui, en général, est dégueulasse. On donne si on veut, d'abord. Bien sûr, mais... Ah, vous avez compris, là. Faites pas... c'est bon. On veut peut-être les émotes. J'émets quelques réserves sur les émotes. Oh. L'œil maudit. J'ai comme un doute. Sinon, pour revenir sur la cam, bah, je sais pas. J'ai un délire en ce moment, c'est de la mettre comme ça. Et ça fait poser beaucoup de questions aux gens. Du coup, j'ai rajouté que c'était flou et que c'était normal, là-haut. Mais apparemment, ouais, beaucoup se posent la question. Pourquoi la cam est comme ça? Bah, je sais pas, elle est comme ça parce qu'elle est comme ça. Voilà. Je n'ai pas de raison. Valable, en tout cas. À part que, comme ça, ça me permet de pas me coiffer, pas me laver, pas me changer. Salut Swing. Il me faudrait une pièce avant de faire le boss. Finalement, c'est une... voilà la raison valable. C'est finalement la voilà. La cam à l'écran T. Diablo a-t-il été à la hauteur de sa réputation? Tout dépend de la réputation que tu lui donnes, parce que alors... en gros, le jeu est très bien, mais je trouve que l'optimisation sur PC est très particulière. Mon PC était en souffrance alors qu'il se passait pas grand-chose à l'écran. Mais bon, c'est une petite compagnie indé, quoi. C'est leur premier jeu, on est indulgents, ils vont peut-être patcher ça. Oh bah tu peux y aller alors, fan. Tu peux y aller, il va être... S'il aime la licence, il va kiffer. Putain, les dégâts, là! Il va kiffer, hein. Y a pas de soucis là-dessus. Il y avait une pièce. Ah.
90%, c'est 0%. Voilà. Bon, c'est peut-être mieux comme ça parce qu'on voyait pas les items, mais bon. Tout de suite. Sacré dart! Ah! On souffle un peu quand même, hein. Allez, j'enlève l'échelle. Ah. En plus, j'ai de la transformation séraphin. Ce qui veut dire que je peux virer le truc du vol si j'en ai pas envie. Mais bon, j'ai pas de sous, quoi. Ok, donc là maintenant, on a enfin des dégâts et les tirs auto-guidés. C'est parti. Voilà. Bah clairement, le révélation, il va partir. La lune. Si t'as des questions, Flays, tu peux y aller. Hein. S'il y a un truc que j'ai fait que tu comprends pas, c'est difficile après toutes ces heures de jeu d'expliquer absolument tout ce que je fais. Mais en revanche, tu poses une question, je te répondrai. Et je prendrai un ton un peu condescendant, genre. C'est pourtant évident, quoi. Ça se voit, non? C'est. Je veux dire. Vous regardez le stream en fait ou. Ça ne vous arrive jamais de lire. Le pape, plus deux cœurs bleus. Genre, quand t'es arrivé dans la salle avec l'ange, j'ai pas compris pourquoi tu as été soulagé. Parce qu'on a trouvé Sacré Dart, le dernier objet que j'ai ramassé, et que c'est celui que je cherche depuis pas mal de temps, pas mal de runs, et qui est très fort. Augmente beaucoup les dégâts et rend mes larmes auto-guidées. Donc c'est très bien. Salut Toto. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends plus 1 en dégâts. J'arrive pas à réfléchir, il y a trop de trucs qui clignotent. Ou je prends tout simplement l'incube pour avoir encore un rayon. En vrai. Voilà! Voilà!
Ah, ça y va, là. Ah, là, c'est bien, là. Là, on est bien, là. Ah ouais, là on est bien là. Oh. On dirait du pipi. Tu fais pipi comme ça toi? Tu fais pipi blanc? Flaze? Ça va? Merde! Qu'est-ce que... Mais putain, les araignées, casse-toi là, je t'avais pas vu! Le pipi laser lumineux qui fait des tourbillons. Vous faites pipi comme ça, vous. Putain, mais arrête de prendre des dégâts! C'est quand même dingue! Salut Skidris. C'est pas envie de me donner un petit cœur juste pour la forme. Hein. Pff, toi, t'es un peu nul, hein. D'accord. Bon, bah, c'est parti pour 99 bombes. C'est mardi. Pas rancunier, le gars. Il y avait d'autres crânes ou pas? Il y a un problème si votre outillage fait 3 jets différents. Votre outillage? Qu'est-ce que tu entends par là? Le zizi, bel obito. Et il was. On laisse tomber, on se taille. Je suis déjà assis à moi.
Bon, ça ne s'ouvre pas. Merde! Bon, vas-y, ouvre même pas les coffres parce qu'apparemment tu glisses dessus. Il manque le quad shot, c'est vrai ça. Ce serait pas mal. Mais ça va me réduire beaucoup le débit. Le void ne s'ouvre pas. Non, avec Soy Milk, ça tire en continu, c'est trop bien. Quand même pris un dégât. Et le void ne s'ouvre pas. C'est pas grave. On a au moins eu ça. C'était méga Satan, le boss là. Mais il s'est fait détruire. Bon, c'est bien, on en avait quand même besoin. On a fait quand même des trucs utiles, mais toujours pas le délirium. Et ça aurait été bien avec ce build. On aurait été bien. On a débloqué les coffres géants. Qu'est-ce que le void? C'est un étage supplémentaire qui est chiant à obtenir parce que... Soit il faut aller à un certain endroit et faire un boss pénible. Et en plus, pour aller là-bas, il faut y aller en moins de 30 minutes. Il faut se dépêcher, j'aime pas. Soit il faut avoir de la chance et le void peut s'ouvrir après les boss. Et on n'a pas eu de chance. Parce qu'il s'est pas ouvert. Et j'ai besoin du boss qu'il y a dans le void, en fait. 237 secrets. Bah, YouTube, la prochaine fois. Des bisous.